Salut avec toute super branchée Radio Eloi avec Sekouya dans le ça. Jodi a nan éducation à distance. N'a pas gagné un cours de philosophie avec moi-même, professeur Rousseau. Côté que nous allons parler de une plus grosse citation qui gagne dans la philosophie. C'est Cogito ergo sum, je doute. Donc je pense, donc je suis. Nan cours sa jodi a nan permettre que élèves yo découvri youn pi gwo philosophe qui existait à travers le monde, qui existait depuis le temps, depuis tout le temps, c'est René Descartes, lui-même qui publiait un livre phare dans la philosophie qui relait discours de la méthode. Nous allons expliquer pour qui raison Descartes t'est fait tes dix phrases ça. Je pense, donc je suis. Nous allons expliquer toute raison, toute démarche méthodique qui fait que monsieur Jodia a dit une phrase qui fait lui l'une des philosophies populaires au monde. Sans que nous pas trop tarder, on nous parlait de René Descartes. On nous parlait plus spécifiquement de citation ça. Cogito ergo sum, je doute, donc je pense, donc je suis. Il y a deux mots importants que nous voulons faire sortir, Snapdiola. C'est je avec doute. Pour qui raison, les marchés doute avec pensée et puis penser avec je suis. Dans le cas, lorsque nous parlons de je suis, on nous est suis à comme exister. Citation ça, monsieur Ferli sur la conscience. C'est une citation qui extrait de livre Descartes publié. C'est un livre qui est les discours, la méthode, qui est une œuvre qui est plus importante côté que monsieur, à travers le livre ça, monsieur relaté, monsieur expliqué, monsieur décrit, vili et manière que lui appuyer sur ça que lui connaît. Avec ça qu'il va connaître sous doute pour lui joindre une existence, pour lui avoir une certitude que existence vraiment existait et monsieur fondé, lorsque lui joigne la vérité que la cherchait, monsieur fondé une nouvelle métaphysique. Descartes lui cherchait un fondement sûr pour qu'il bâti connaissance. Descartes dit que fondement ça, connaissance ça, c'est lui-même qui ont point fixe. Et à partir de point ça, que l'homme lui-même lui fondait le savoir, que l'homme lui-même lui a accédé aux vérités. Monsieur dit que pas gagner savoir, pas gagner vérité, si que pas gagner connaissance. Et la connaissance, elle est bâtie, elle est construite. Et la connaissance, c'est point fixe qui fait l'homme orienter vers le bien ou le mal, vers le beau ou bien le laid. Monsieur lui proposait deux méthodes pour te ka bâti connaissance, pour te ka fonder savoir, pour te ka jouer une vérité. Monsieur utilisait une méthode qui relait le doute. Il y a un deuxième qui c'est un malin génie. Monsieur utilisait, René Descartes, deux méthodes pour lui ka abouti avec un résultat. Certitude que existence vraiment existait. Et monsieur dit que toute existence, toute connaissance, toute pensée, lit basée sous subjectivité, sous intériorité. Parce que chaque grand monde n'a pas gagné la même connaissance, tout le monde n'a pas compris ce qui a passé autour de eux, même gens. Première méthode que monsieur utilisait, c'est une voie active que lié, c'est un doute méthodique. Côté que Descartes lui décidait pour lui mettre en doute tout ça que lui connaît, tout ça que lui pensait. Monsieur dit que tout ça que je connais aujourd'hui là, tu me doutais vraiment que il existait. Et monsieur dit que c'est à travers doute ça, nous-mêmes, l'homme, nous venons tourner le sujet, un sujet qui doutait et pour qu'à douter, faut ou penser. Donc, je doute, je pense, et si je pense, je suis.
Mais pour être carré du phase monsieur, nous tous connaissons monsieur avec je pense, donc je suis, c'est avec doute ça qui sont première méthode. D'ailleurs, monsieur était un mathématicien, il était un physicien, monsieur usait une méthode, et puis devant, nous parlons de 5 étapes. Méthode qui était utilisée pour te joindre la certitude de l'existence. Monsieur doutait tout ça que lui connaît, tout ça que lui pensait, toute idée que lui vient de parler, dit que ce sont des idées préconçues, faut que lui doutait pour lui vraiment connaître, pour le penser. Lui dit que dans la méthode ça, faut ou qu'a douté, et l'on douté, c'est une réflexion philosophique que vous faites. On réflexion qui permet que ou même en tant que sujet, en tant que substance, en tant que chose pensante, ou utiliser une voie active pour qu'à exister. Descartes dit nous dans le discours de la méthode, le doute, c'est lui-même depuis au départ qui mettait toute bagarre en question, qui renversait et qui vient tourner en source de certitude. Le doute est une source de certitude. C'est ça que M. Ujiromon dialectique qui vient créer un cogito. Descartes utilisait une deuxième méthode. Méthode ça lui-même lié le malin génie. C'est on voit passive que lié, on voit qu'on va attendre, qui dit que généralement, gagner une force invisible, gagner un malin génie qui toujours a trompé, gagner un set de bagailles. Ou pensez que vous vérité et puis vous pas vrai. Ou pensez que vous vrai et puis vous fausse. Ça, c'est un mal ingénie qui tout le temps a travers l'esprit nous, quelquefois qui déroute de vérité pour nous croire en bas comme vérité, tandis que bagaille ça, c'est faux. Mais là aussi, Descartes dit que nous qu'a trompé nous qu'a douté de doute que nous gagnons. Même là encore, ou qu'a trompé mal ingénieur, même si que ou arrivez dépasser mal ingénieur, ou qu'a toujours trompé ou. Lorsque ou comprenez que ça, mal ingénieur là, c'est vrai ou bien c'est pas vrai. Et là, je dis que mal ingénieur ça, lui-même, lui c'est une source d'illusion. L'irrité kounia nous-mêmes, en tant que un sujet, pour nous qu'a suspendre tout jugement que nous gagnons. Toute idée préconçue et nous suspendre pour nous poser en action de la pensée. Et lorsque Kounia ou mélanger doute là avec mal ingénieur, Kounia ou qu'a prouvé que existence li existait de façon irréfutable. Monsieur dit que nous disons pour nous plus devant, c'est lorsque ou gagne en vérité que l'autre monde a qu'à douter. Que tout le monde adopte, c'est l'ESA. Ou même pour qu'on ait que vraiment doute qu'on gagne, ou doute li, ou checker, et puis mal ingénieur, ou surpasser, ou démonter pour qu'on vienne avec une vérité. La vérité, même avec Diogène, c'est le soleil, c'est la lumière. Et monsieur allait plus loin, non, plus loin. Il dit que si vraiment gagnons mal ingénieur, un génie qui puissant, qui trompeur, mais le sujet, la voix active, le doute, c'est doute ça lui-même qui pourrait le faire que ou même ou plus puissant, ou même plus trompeur que ce malin génie. Parce qu'on dit que malin génie ça, lui employer tout ça le connaît pour lui qu'a trompé. Est-ce que vraiment le ciel est bleu? Est-ce que l'air existait? Est-ce que la terre existait? Et tout ça qui de yo, est-ce que vraiment existe? Est-ce que ce n'est pas illusion que nous avons fait être nous que Waldem existait, que Radio Eloi existait, que en Haïti, mon président, que Haïti pas un pays sous papier ou bien même dans le réel. Tout ça, c'est illusion qui fait que nous-mêmes, le malin génie, lui poser des pièges pour nous. Et si que dans toute bagaille, nous quoi, ou parler que nous-mêmes, ou pas gagner doute, ou pas gagner yeux, ou pas gagner chair pour vraiment ou même utiliser le bon sens. Et tout ça, ça a fait que ou croit dans des choses parce que uniquement le malin génie, il travaille sur vous, il dit que croit dans ça, mais ou pas douter de qui ça malin génie en dit.
Monsieur dit que même moyen ça, faut ou même ou bien pouvoir, et le doute, c'est le pouvoir. C'est le doute ça pour qu'on utilise, pour qu'on joigne la connaissance, connaissance de la vérité. Et on fait ça lorsque vous mélangez et le doute et la le doute méthodique et le l'évangélie méthodique, la voie active et la voie passive, respectivement, ensemble, ou même après ça, pour dire que, mais qui vérité, qui absolue, mais qui vérité, qui irréfutable, mais qui vérité, tout votre monde a d'accord avec lui. L'esprit, les sensations, émotions, c'est eux-mêmes qui mal ingénie. C'est mal ingénie ça qui dit que vous levez le matin, ou grand goût. Est-ce que vraiment ou grand goût? Réflexion philosophique là. Doutez que ou grand goût vrai. Est-ce que c'est parce que vous dit ou vous levez le matin pour grand goût? Est-ce que c'est pas avant tout qu'a trompé ou qui dit que grand goût pour aller manger vrai? Ou puis avec le doute, ou vine plus puissant que le mal ingénie. C'est pour ça que toujours dans l'introduction du livre, dès qu'on dit que l'homme, ou bien je, est une chose qui pense. L'homme est une chose pensante. L'homme pense. Parce que l'homme, leur pensée, c'est lorsque vous doutez. L'homme pensait, l'homme tendait, l'homme voulait, l'homme besoin. Pour lui expliquer dans façon parle tout ça qui a passé dans la ville, tout ça qui a passé à l'entourage. Et monsieur dit, et moi aussi, certainement, nous gagnons la puissance d'imaginer, car encore, lorsque nous imaginons tout ça que nous avons avant, tout ça que nous avons pensé avant, nous avons vu que nous pas vrai. Dans tous les deux méthodes, méthode active ou bien passive, ça que Descartes dit que nous venons gagner, c'est une certitude de l'existence, une certitude de la pensée, une certitude du sui, une certitude du cogito, le sujet. C'est sujet à Kounia qui croit de l'existence. Et sujet à lui-même, l'Ipral agit en tant que, monsieur dit dans l'Ipral, oui, le sujet, l'homme, est la terre natale de la vérité. Descartes, t'es gagné un paquet tournure là pour utiliser, ou t'es carré les périphrases, ou t'es carré parabole, mais chaque phrase qui est dans le discours, la méthode, lui demande pour camper le livre là, pour faire recherche. Comment fait que Descartes dit que l'homme est la terre natale de la vérité? Il dit que le doute vous donne la vérité, le doute vous donne la lumière, et donc que tout ça que nous connaissons, je vais questionner pour me connaître est-ce que la vérité, parce que il y a le mal ingénie, il y a l'esprit, les sentiments, la sensation qui lui-même te car mal ingénie. Acceptation des quatre là. Je dis à nous qu'à considérer la façon que nous voulons. Mais c'est une citation qui révolutionne, qui porte une révolution totale dans la philosophie. Et lui-même tout, c'est qui paraît comme une prémisse de philosophie moderne, côté que monsieur lui mettait le sujet au centre de l'univers. Lui mettait le sujet comme un chercheur de vérité. Et en pile nèg qui te vine après lui, yo tout yo même, quoi que yo te essayé contre carré. Je pense, donc je suis. Je doute, donc je pense. Douter c'est penser, penser c'est exister. Te gagné Kant, Spinoza et même Sartre avec Husserl, yo même qui te mettait en question acquis philosophique que Descartes lui-même te joigne. Cogito ergo sum. Je doute, donc je pense. Je pense, donc je suis. Faut ou qu'a penser, faut qu'a douter pour qu'a penser, et tout doute y a pas une vérité qui est absolue. La vérité qui est absolue, c'est vérité que ou même ou joignez. Monsieur dit que tout ça qui paraît devant, doutez-le. De et de la 4, doutez-le. Mais pour quelle raison Descartes lui-même, il te dit ça?
qui ça qui te porte des quatre pour lui faire tout ok ça lui même pour lui je dis je pense donc je suis lorsque vous dit non des quatre c'est toute une histoire toute une période toute une révolution intellectuelle parce que des quatre il c'est un homme brillant peut-être l'homme le plus brillant depuis le 18e siècle c'est avec découverte Lyo que philosophie t'es gagné dans l'autre direction la philosophie moderne Descartes il était avant tout un philosophe mais tout il était un physicien il était un mathématicien donc il était quoi dans la formule il était quoi dans la science du réel il était quoi dans la science rationnelle en même temps tout ça en même temps et nous voyons que tellement Descartes était important la science les sciences rationnelles mathématiques physique ils ont même créé un adjectif avec non Descartes. Par contre, si Waldem est au courant de ça, mais chaque fois que on dit que on théorie cartésienne ou bien le cartésien, c'est un adjectif qui dérivait de Descartes lorsque on voulait exprimer un esprit rationnel, un esprit logique. Maintenant, je dis à là, ou vraiment de tête où, qui rapporte Descartes gagné avec un esprit rationnel pendant que Descartes qui est un philosophe, il était un mathématicien, il était un physicien, pour qui raison que un mathématicien, un philosophe, gagne un esprit rationnel. C'est simple. Toute vie Descartes est intéressé à la puissance de l'esprit humain face à la connaissance. Qui ça, qui rapport un monde gagné avec connaissance? Est-ce que l'esprit humain gagne un impact négatif ou bien neutre? Positif sous connaissance. Autrement dit, pour qui ça que gagne un paquet de bagages dans tête nous et nous prenons des bagages pour vérité sans que nous pas sûr vraiment que la vérité. Pour qui raison que tout ça que nous apprenons dans le livre, tout ça que on nous dit, tout ça que on nous fait, nous dit que c'est vérité. Pour qui raison que nous pas questionner tout ça que nous entendons, tout ça que nous voyons, tout ça même que nous sentons. Leur senti votre ou aboui, est-ce que c'est grand goût vrai? Leur pour manger, est-ce que vraiment ou grand goût? Questionnez ça et pour qui raison que ou grand goût? Il dit que tout ça qu'on connaît, pas vérité. Et donc, monsieur était venu un chercheur de la vérité, un terre natal de la vérité. Descartes a cherché et un jour, monsieur dit, je pense. Donc je suis et je me dis, voici la lumière, tout s'est éclairé parce que maintenant j'existe, je suis lorsque je connais la vérité. Qui j'en fais, monsieur, fait arriver avec un bagage comme ça, une phrase comme ça, je pense, donc je suis, et mon dit avant, monsieur, yo, les grands Socrate, les Platon, pour qui raison, n'ayez pas de bagage comme ça, je pense. Donc je suis une phrase aussi simple, mais c'est phrase-là qui révolutionnait la philosophie à travers le monde. Je dis à là, on doit à Descartes la philosophie de l'esprit humain. Le questionnement, l'émerveillement, l'étonnement, c'est grâce à ce grand type qu'on appelle René Descartes. Eh bien, après plusieurs années de réflexion, Descartes lui levait un grand matin. Et puis il dit, ça stupide mes amis, qui en fait que toute bagaille que m'apprenne au cours de ma vie, mais en même temps, je pas arrivé, je me connais, est-ce que yo fausse, et n'est que quoi, que yo tout vrai, et de coup, monsieur lui dit que tout ça me connaît, yo faux, mais ça fout lui-même. Les grands ont dit, d'autres grands ont répété, et puis dès qu'ils vont grand matin, il dit, tout ce que je connais est faux. Tout ce que je sais est faux. Tout le monde dit, ça passe là. Monsieur Kounia lui posait une question. Kounia, on va dire que pour qui raison on question comme ça? Lorsque l'on dit que Père Noël existait, est-ce que où j'aime questionner ça vraiment? Lorsque l'on dit que le vaudou est africain, lorsque l'on dit l'haïtien est une africaine, est-ce que où j'aime vraiment questionner comme elle dit que. Et si que moi doutais vraiment que le vaudou est africain, ton Noël existait.
Et lorsque Kounia, on t'a dit ou t'es tout petit, pas gagné Tonton Noël, ou après que tout monde est coulé, parce que c'est une vérité que vous retirez dans tête ou une illusion que vous retirez Kounia pour inculquer en vérité. Mais Descartes dit, ce n'est pas la vérité qu'on vous donne qui est vérité, mais la vérité que vous avez recherchée. Vérité ça que lorsque vous doutez de ça que vous connaissez, ou quitter ou pas quitter le malin génie trompé ou et puis vous dit voici la vraie vérité parce que je suis la terre natale de la vérité. Descartes lui-même lui gagné un but précis, c'était uniquement chercher la vérité et il était besoin qu'on ait la vérité et rien que la vérité, seulement joindre un bagaille qui certaine. En vérité que l'autre monde pas qu'à refuter et là après nous te fait et non tournant le livre là non l'autre livre écrit méditation métaphysique côté je dis que je dois trouver dans ma vie une chose qu'absolument personne ne puisse mettre en doute. Je dois trouver une chose, une vérité qu'absolument personne ne puisse mettre en doute. Alors pour nous, si on était qu'à poursuivre la vérité, ou plutôt sa quête vers la vérité, encore une fois, il n'y pas mettre en question ça à travers le monde, il a mis en doute et en question tout son savoir. Les romans à zéro. Ou qu'a dit que monsieur fou, pour faire tout le temps ça, apprendre un paquet de bagailles, avant yo, qu'on a monsieur mettre en doute pour dire, est-ce que c'est menti qui est au non du tout. Monsieur t'a fait une quête qui résonnait et monsieur t'a fait plusieurs constats. Il fait deux constats majeurs pour qu'il ait abouti avec ça. T'es nous bas constat. Constat numéro 1. Monsieur réalisait que il y a une partie de ça qu'on est qui faux, qui erroné. Et monsieur dit que ouais, est-ce que vérité ça yo vrai? Et pour un scientifique ou t'as pour un scientifique, tant que Waldem, qui ou pas qu'a dit Waldem que DD pas égal à K. Ou pas qu'a dit Waldem que X plus Y pas égal à B. Parce que c'est un scientifique qui n'a pas vraiment utilisé esprit humain de l'appliquer en science rationnelle. Mais sous dit Waldem que politique l'ICA à la fois singulier et féminin. Là, l'ICA prend temps pour le temps d'eau, lui-même tout, l'ICA fait recherche pour le la mettre en doute, ça le compte déjà comme la politique, et puis il dit, eh bien, on travaille pour nous être, est-ce que le politique, ou bien la politique, ou bien, même si lorsque VAR fait paraître, il y a un monde qui dit la VAR, il y a un monde qui dit le VAR, ça c'est le doute, et ce doute vous donnera la vérité, et la vérité vous rendra libre. Deuxième constat, Descartes a mené, lui dit que, lui découvrit que nos cinq sens sont trompeurs. Cinq sens que nous gagnons, la vue, lui, l'odorat, le goût et le toucher, ils ont trompé nous. Et ils ont éloigné de la vérité. Parce que ça que nous percevons, ça que sens nous, bon nous, les cas subjectifs, remet au monde. Ou qu'a pensé qu'on remet au monde, est-ce que vraiment le monde ça qu'on remet? Est-ce que c'est pas sans sou qui trompe ou parce que ouais dame ça, il gagne gros tête ou bien il gros derrière? Ou bien parce que fils a li ouais nek ça, il gagne cob. Donc l'amour faut ou qu'a douter, est-ce que vraiment mon aimé un tel? Est-ce que c'est pas sans moins qu'aim qu'a joué un malin génie pour tromper? Par exemple, lorsque ou prend un parfum ou bay deux moun sentil, chaque moun yo y a dou mais comment que au sentil. Mais ça pas dit pour autant que youn a bay menti, youn a bay vérité. Pareil, même j'en pour un rad kowe, li ka bel pour youn, li lèt pour l'autre. Bref, personne ne détient la vérité vraie. Personne ne détient la vraie vérité sous un bagay spécifique, un bagay qui entoure nous. Parce que perception au monde, émotion au monde, pas objectif. Perception, car réalité,
Mais il va objectif. Ou bien droit pour venir avec opinion, ou pas bien droit pour créer propre, faire par où, si que, ou pas passer par formule que M. Descartes lui-même était imposé. Il suffit tout simplement pour qu'on ait. Et mais qui ça, Descartes te conclu après que l'été fait deux constats ça. Bon, ok. Comment que nous ka douter de toute bagaille? Piga que ou quoi que lorsque ou remet ou mettez en question ça que ou connaît, c'est refuter ou refuter tout ça que connaît ou tout connaît, sauf que ou mettez en doute et ou pas faire tout d'un coup. Au contraire, pour qu'a parvenu avec vérité ça, gain une série de règles de l'art, manière rigoureuse que Descartes lui-même l'était créé dans Livlia, discours de la méthode, monsieur créé propre méthode lui pour lui refonder savoir lui sur des bases solides. Encore une fois, c'est ça qui génère titre célèbre, ouvrage phare que monsieur écria, discours de la méthode. Non, monsieur créé une méthode. René Descartes, le grand Descartes, il a créé une méthode pour le cas douter toute bagaille, mais dans un ordre précis. Prenons plus nous, préfère qu'à nous, m'bral dit nous, cinq états que M. Descartes lui-même lui créé pour le cas douter et puis pour le cas joindre en vérité. Premier état, première méthode, premier étape dans la méthode ça, monsieur examinait toute opinion que lui gagne, toute idée. Que l'idée préconçue que tu as gagné avant de la science, de un phénomène, il doutait. Et il dit que si je ne peux pas vérifier que la vérité avant, je n'ai pas besoin de douter, je vais tester, je vais passer le test pour moi, est-ce que vraiment ce n'est pas une vérité que je vais imposer. Lorsque nous dit que toute haïtienne c'est vaudouisant, on nous teste, on nous voit est-ce que c'est vérité que lié. S'il dit que tout monde qui est politique c'est volé, on nous doute pour nous capasser, mettre opinion ça en jeu pour nous capter comment nous travaillons. Donc fin de faire ça qu'on y a, monsieur dit que ou fin qu'on y a examiné toute opinion que ou gagné de une situation qu'on y a ou prendre information ça yo ou prendre ouais qui gens sens ou recevoir yo. Ou pral évoquer, ou pral mettre tout sens yo, le goût, lui, l'odorat, le goût, le toucher, pour voir comment comment l'esprit recevoir. Tout politicien volé, depuis que un politicien, ou dit que c'est volé que lié, ou vient douter politicien. Li bon que vous doutez. Le doute est bon. J'aime le doute et j'aime douter que je doute pour que je puisse penser. Parce que quand je pense, je sais que j'existe. Et les bons l'aiment douter, moi c'est mon pas questionner l'existence. Et en troisième, non, monsieur mettait en question les corps et la matière. Parce que monsieur dit que corps forme une bouteille. C'est parce que l'hypercevoir à travers sens nous. On bagaille carré pour moins, pour même l'ovale. On carré pour moins, car on rectangle pour vous. En nous, ça c'est vérité que vous voyez, mais rationnel ou pas, est-ce que l'idée pas gagné droit pour ta douter yo? Monsieur même mettait en doute les vérités rationnelles. 2 et 2 égale à 4. Pour qui raison? 5 plus 5 égale à 10. Si 2 et 2 égale à 4, mais 2 par 2, bah au 4. Tandis pour qui raison? 5 par 5, pas bah 10 au lieu de 25. C'est tout doute ça que monsieur mettait. Et pour vous finir, c'est qu'un voyant, monsieur examine l'opinion que les gagnés dans le phénomène, lui garde qui j'en sens lui recevoir l'information, lui questionner les corps et la matière, lui même questionner les relations, les vérités rationnelles, vérité et Walden, et qu'on y a monsieur douté l'existence de Dieu. Dans le cas de la Josia, on est à douter de que vous existez, mon a dit que vous fouillez après l'eau athée ou bien j'ai oublié. Mais monsieur doutait que Dieu existait parce que j'ai dit que Dieu, ça, c'est une pensée que lié.
C'est l'esprit qui crée Dieu ça, parce que Dieu ça, pour nous-mêmes qui veulent. Et comme toute pensée qui crée par esprit, depuis c'est l'esprit qui crée une pensée, pensée ça, faut qu'on mette en question. On nous garde un bagage. Depuis que vous avez un ami, vous marchez avec lui, depuis que vous avez un campé de moto, une machine, il fait le pipi, ou même tout, on vit tout. Depuis le midi ou gangou. Parce que vous créez, on va l'esprit ou dit que ou grand goût ou bien ou prend le pipi, mettez en question, est-ce que vraiment ou besoin pipi? Est-ce que vraiment ou grand goût? Est-ce que vraiment bon Dieu existait? Comme Dieu, c'est un être imaginaire que lié. Dans le moment ça, on nous doute. Et c'est là qu'on a, monsieur Kounia, il découvrit un truc après un pile année de réflexion côté que monsieur utilisait méthode ça yo nous pas fini pour nous dire que monsieur dit que le combat est difficile mais des cas lui même qui gagne gros bras un homme populaire on est gros cerveau on est gros jupon monsieur lui même lui dit que on prend le goumer contre ce mal ingénie parce que quel était mon Dieu quel était mathématique quel était physique quelle était origine quelle était histoire. C'est le mauvais génie. C'est le malin génie qui me trompe. Je suis trompé. Eh bien, je vais combattre malin génie ça. Et monsieur combat malin génie ça. Malin génie ça, c'est un concept qui sortit dans l'imagination. Dès qu'à penser que malin génie ça, non seulement que les puissants, les usés et les cachés dans la tête libre. Pourquoi qu'on voit dans la télévision, on regarde des films. On n'est pas posé en action et puis gagner deux petits et ange sur épaule lui on ange dit fais le non on a dit pas fais le et bien bon ange là c'est le doute le bon ange c'est le doute ok mauvais ange Abdou fait là c'est le mal génie mais dit que pas coûter ni le bon ange ni le mauvais ange coûter ou même l'esprit ou. Parce que vous êtes le sujet tu es le sujet je suis le sujet. Je pense, donc c'est où on est en décision. Hein. Lorsque vous n'y a ou goumé ou prenez la décision bon, la bonne décision, ou porter la victoire sur le mal ingénu, ou bien ça que vous considérez comme le mal ingénu. Il dit que, mais le mal ingénu, il a sa place. C'est mal ingénu ça qui prend le fait que vous suivez vraiment que vous prenez une bonne décision. Alors, après que vous finissez exterminer ce mal ingénu, lorsque vous voyez de côté, qu'on y a ou dépouillé de tout lien qui était uni avec le monde, et Descartes y découvrit une seule certitude. Je suis une chose qui pense. Je suis une chose qui pense. Et lorsque je pense, je deviens un être humain. Et Descartes réalisait que même lorsque Malingénis a le pouvoir pour le tromper, pour lui déguiser comme un esprit qui cachait de fausses vérités, monsieur dit qu'il y a une chose qu'il ne peut pas faire, qu'il ne peut pas faire avec. Ce génie trompeur ne pourra jamais m'empêcher de penser. Monsieur dit, le mauvais génie, le malin génie, cet ange rusé et trompeur, aussi vrai que lui puissant, que lui rusé, mais mon esprit, ma pensée est plus rusée que ce malin génie et à cause de ça, il n'y a pas qu'à empêcher de penser. C'est ça que Descartes dit. Et peu importe ce que ça me pensait à, c'est vérité que lui, c'est lui faux ou bien vérité, il dit, c'est façon que vous pensez à, c'est l'acte de pensée qui est le plus important. Je vous invite, mes amis, à lire le discours de la méthode de René Descartes. C'est un livre philosophique. Monsieur dit que même si que ça me pensait à l'IFO, mais plus important, c'est que moi pensais et les pensées moins existaient. Que vous pensez bien, que vous pensez mal, c'est une preuve que je suis, que tu es, que nous existons. Nous questionner tout, même si que conclusion nous n'est pas vraiment en vérité. N'est pas uniquement pour penser. Il n'est pas uniquement pour penser,
uniquement pour penser, ça va dépendre de qui j'en considère, toutes les fois que vous posez action quand même. Penser ou pas penser, mais poser action, parce que si que ou pas penser, ou pas exister. Si que ou pensez, ou exister. Après que monsieur lui prend conscience de manipulation du mauvais génie et du tout, monsieur suspend douter. Il faut s'arrêter de douter. Et lorsque vous doutez, vous découvrez une vérité indubitable, une vérité vraie. Et tant que vous pensez, vous existez. Même si ça qu'on pense à l'ika en illusion, l'ika en illusoire, ou qu'a dit que m'aimé dame ça, ou qu'a pas vraiment maintenant, ou qu'a dit l'aimouel m'pipi sous moi, l'aimouel kembat, l'aimouel m'baka manger, pour ceci m'aimé. Le fait de penser reste incontestable. Moun ta kadou qui j'en pour penser, si j'ai ni un trompeur, c'est parce que vous permettez que les trompeurs. Si le malin génie trompe, c'est parce que ou par exemple, c'est parce que suspend penser, c'est parce que ou ouvert porte pour le cas penser. Bref, tant que ma pensée gagne un bagage, moi c'est une chose pensant. Et aussi puissant que ce génie est, aussi puissant que ce malin génie, ce mauvais génie, ce génie trompeur et rusé, n'en tête pas, m'pap quitter le rentrer. Ça, c'est la plus grande sûreté que vous gagnez lorsque vous-même vous prenez une décision. Donc, nous prenons aujourd'hui à la parler de comment que nous avons appliqué ou nous avons fini et change, comme si changer l'idée ça, lui changer le monde. Ce n'est pas deux coups que nous avons accepté avec théorie ça, avec citation, mais des cas. Il a vraiment bousculé les codes. Dans l'époque, ça, philosophie était. Philosophie avant, philosophie sur la cycle là. Lui-même, c'est l'église qui était créée. Et monsieur dit que l'église dit tel bagaille, that's it. L'église dit que bon Dieu existait, moun pas fait ça. Moun pas réfléchi en ce qui a trait avec l'existence bon Dieu. Monsieur changeait ça. Décadien, nous pas prendre pour vérité. Pour nous conclure, on a dit que. La révolution, la citation de Descartes a brillé en société. Monsieur, phrase monsieur, je pense, donc je suis, c'est une vérité incontestable. C'est une vérité qui permet que nous-mêmes, nous connaissons qui est-ce que nous y est. C'est penser, c'est acte de penser qui fait nous puissants, qui fait que nous sommes substance. Qui fait que nous sommes choses pensant que tout le monde doit gagner. Penser chaque jour, pas uniquement étudier, car on a beau être mis en prison à Isabella, et quelques mois plus tard, il faut y embarquer pour l'Espagne, il disparut en main avec le bateau qui le portait la politesse. Non! Questionnez, est-ce que c'est vrai? Et ça, justement, de nous, hein? Continuez à questionner, tout en questionnant, je suis, je pense, donc je suis. Imaginons un monde quand pas de gagner un Bill Gates, pas de gagner un Steve Jobs, pas de gagner un Tim Cook, pas de gagner un extra qui t'a réfléchi pour dire que faut que le monde change. C'est un réflexe que tu as fait. Les grands inventeurs sont des penseurs, sont des humains. Ça veut dire que en philosophie, gagner un monde qui est humain qui ont l'autre. Quoi que tu as dit que l'idée ont absurdité. C'était une œuvre de la conscience. On découvrait les cogito, le fameux je pense donc je suis, ou bien cogito ergo sum. Si vous voulez que vous brillez en soirée, si vous voulez que vous montrez le monde que vous connaissez, tant pis. Commencez à penser. Commencez à prononcer sum. Dit que vous pouvez penser. Le roi Lénan, dans la franc-maçonnerie, le toit de soum, soum, ça veut dire que ma pensée, je deviens humain. Je dis à la, prends ça, songez-le, soum, et puis après que le monde ouvrira ses portes à vous, vous serez des humains, vous serez des intellects,
et le mauvais génie n'aura aucun pouvoir sur vous. Merci à nous toutes. Walder, merci pourtant. Haïti, reprend la peine.